Genre la salle. Quel était ce bruit chelou? Je ne sais point. Mais moi ça me dégoûte parce qu'elle est en hyperpixelisée du coup. Oh. Sinon j'ai l'intérieur de ta bouche. Non. C'était quoi? Je redécouvre la vidéo en fait. Mais attends, ils sont déjà là. Ah zut! Oups! Je ne pensais pas! Oh non! Vous nous surprenez en pleine. Dans une tenue de maison. Ouh! Il est temps de. D'aller au château! Très bien, Mère Thérèse qui a pris. Au château! On dirait une vache. Bah, c'était brioche! Des vidéos qui traînent sur mon téléphone et qui d'habitude ne sortent jamais. On va au château! Les michetos, putain, Balzac, tes bisous. Quelqu'un peut m'aider. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec quelqu'un qui m'insultait sur mon... parce que j'ai un petit peu de ventre. Sur ton physique. Eh bah, tu l'insultes cordialement. Mais c'est bien le ventre. Bah oui. Un abdominal. Et c'est plus confortable pour mais dormir. Oui, c'est confortable. Genre, si je veux dormir sur le ventre de Brie, bah je peux. Bon, ça va. Non mais... C'est comme ça, quoi. Voilà, c'est bien. Non mais je pense pas qu'il faut insulter. Non. Moi je trouve que... La... Mais tu sais que je réponds à chaud, moi. Oui. L'indifférence, je trouve, de montrer que t'en as absolument rien à foutre. Mais genre, tu passes tout droit. Tu sais que je réagis à chaud pour ce genre de truc. Oui. Oui, il reste des bouts ici. C'est pas bon. T'as entendu le corps comme moi, hein. Qu'on soit d'accord. Voilà. Mais j'ai eu la flemme, j'avoue. Chafou! Si pas le bonheur, moi je répète amour. Oh, putain. Prenez-vous un râteau plutôt par cette jolie brioche. Ouais gros. Attends, il en manque là. T'as les morceaux et tout quoi, c'est infâme. Ah mon un non, petit bisou. Non, ça ira. J'ai plus d'épée. Tu pourrais. Merci. Allez, je fais la youtubeuse beauté, mais en moche. Tu fais ça. Attention. Non, pas toi!
toi d'abord. Non, pas les deux. Bonjour. Salut. Y'a plein de thunes qui dit qu'on voit plus le gameplay quand je fais le son. Je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au centre du jeu. Bah c'est ce que je voulais faire, mais il y avait deux gros machins là. Ils ont raté 30 secondes de gameplay, c'est scandaleux. Pish. On va rajouter 30 secondes. On est à combien là? On est à 41, 30. Et bien on va remettre à 42 parce que attention, on a raté 30 secondes de gameplay avec un chocolat. Moi je j'aurais pas aimé à votre place, donc je rajoute 30 secondes parce que... Tu es en train de détruire ton tapis. Oh, pff, il a déjà pris tellement cher ce truc. Putain, reviens là à chaque fois. Mais oui, c'est horrible. Ouais, allons-y. Je me souviens d'un endroit où il y a un sanctuaire, on va essayer de... C'est bon avec ces 30 secondes, vous êtes sûr que... C'est bon, hein. Je le ferai plus, parce que 30 secondes, c'est chaud, quoi. Je n'ai pas... Écoute-toi avec ton chocolat... Non! J'ai eu le temps de voir marquer pénis, quand même. Hein, donc... Tu pourrais éviter de regarder ce genre de conversation? Tu bah, seras ça... mignon. Il y a du S, disons. Quoi? Du sexe. Du coup, les briques, je peux pas te répondre. En fait, tu prends les super chers parce que t'avais ta tenue de feu. C'est quoi que t'as EP? Celui-là? Le pantalon soldat, ouais. Non, soldat. Soldat, lui? Ouais. Donc là, on a le plus haut? Ouais. Ok. Ok. Ah, c'est pour ça que t'es tout fait one shot. Hein. Vous faites quoi? Arrêtez de me faire vibrer! Putain! Bah. Wouh! C'est rien. J'ai eu une petite frayeur, mais. C'est passé. C'est passé? Ouais. Tu vas te faire attaquer! Epona ne vous a pas entendu. Epona ne vous a pas entendu. Epona ne vous a pas entendu. Bonjour. Epona ne vous a pas entendu. Un corbeau en plein milieu. Voilà. Du coup, on voit que je suis allé voir Noya. Hein. Oui, t'as plus de noix. Ouais. Tu peux répondre à l'émeric ou tu m'engueules? Si je peux voir, oui. Non mais... Allez! Tu peux voir, mais tu le fais pas en live! Ok, Emmerich. Ok. Je te voyais pas si expressif. Il fait je suis innocent. Bagdad. Ah, lâche ça! Ah, fuck les arbres! Non mais toi! Non mais... Il toi. J'ai perdu en plus la direction du truc. T'as fait de la bouffe ou pas du tout? Non. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de manger une tonne de pommes, mais... Au pire, on n'a pas le pouvoir de... Je crois qu'il est pas chargé, sinon tu pourrais régénérer les dernières fois. Ah, ça régène bien ça. Il est pas chargé. Putain mais. Mais c'est une blague, arrête de t'accrocher au mur, je veux juste que tu cours. Ah. Je m'en fous. Non, jusqu'au sang que tu tues. Putain.
Lâche ça! Oui, mais faut utiliser Cinétis et tout, enfin non. Ah mon dieu! Bon. Si le hub de la tenue a été save. Ah! Tu crois que ça n'a pas été fait? La tunique peut-être. Ah, on va voir si on a nos cornes. Éclat de cornes. Bon, c'est pas grave parce qu'on a le TP. On a le TP. Donc, tu... C'est peut-être pour ça. Effectivement. Merci à la personne qui a vu ça. Ouais. Hein. Oh, les gens un peu plus aujourd'hui. Hein. Bah ouais, mais c'est de ta faute de toute façon. Tu mérites les spinners dans les oreilles, dans les cheveux. Non. J'ai envie de rotter dans ma bouche. Bah rote. La dernière fois que t'as fait ça près de mes cheveux, j'ai fini 5 minutes à essayer de démêler ta merde. Donc tu seras gentil, tu seras mignon, mais tu dégages ce spinner de moi. Il faudra faire comme si, oui faire comme si, semblant d'être heureux dans d'autres bras. Vivre ainsi, et dire aussi, tout va, tout. Non, non, on est sur la partie de Sienna, là, pas oui. Sur la mienne. Moi, j'ai fini le jeu. Éloignez ce spinner de ma tête. Le petit grisouillis. On aime, on adore. You spin me round like baby round like a radio. Maintenant, tu es équipé, on va. Tac. Eh bien. Je me suis pris l'œuf spinner dans le sein. Ça doit faire mal. Bah ouais. Pour toi, ça va, mais. On a eu un débat sur mon Discord ce matin. Ça a fait. Gosse. Enfin, éducation d'enfant. Sein et soutif. Cup monstru. Bolo balls. J'étais là en mode mais qu'est-ce qu'on fait à cette heure-ci quoi. L'enchaînement cup monstru bolo balls. Non mais cup monstru c'était surtout le débat du est-ce qu'il enfin est-ce que c'est vraiment le best ou pas et tout enfin bref. C'est reparti pour les débats. Non, le souvenir il est où? Alors il est dans le château. Hein. Faut ah il est dans le château. Ouais. J'ai peur, papa. Ah bah oui, là... Toi, t'es pas activé. Il va falloir que tu ailles mollo. Chef, oui, chef. Et tu devrais utiliser l'épée pour... Peut-être, je sais pas. Il faudra faire comme si... Faire comme si. Semblant. Coucou la moto. Semblant d'être heureux. Après, il y a plusieurs façons de rentrer. Hein. Là, tu vas plutôt direction porte principale. Mais. T'as plein d'endroits. Tu peux faire tout le tour du château. Tu touches pas, je crois, ici. Non. Ah putain! Le bouclier. Dites à mes amis que je m'en vais. Je pars vers de nouveaux pays. Tu vas où? Portugal. En Moldavie. C'est pas un nouveau pays pour moi, mais bon. En fait, ce qui m'énerve, c'est déjà on n'a pas fait de la bouffe. C'est vrai. On va passer notre vie à nous TP en fait. On est mal préparé.
Et on va faire un instant à les balles. Comme ça, on aura plus de bouffe à cuire. D'accord. D'accord. On va faire ça dans le village Cacarico. Ou sa version française, Cocorico. Ah, excusez. So French. Parler des fois, faut parler. Non, mais les briques, on en fera. On fera un petit frère des ours. Il y a devant et derrière. XD. Déjà rentrée, Christelle? Oh, bonjour. Bonsoir, Flandra. Tu vas bien? Ça va et toi? Je t'aime. Voilà. Salut. Emoji d'une meuf qui lève la main. Emoji caca. Parfait pour Christelle. Je suis toujours à Gare de Lyon. Flandra est à Gare de Lyon, foncez ! Foncez ! Ah mais bon ! Alors on va commencer par lui, tu vois, là, si tu te montres bien, ça, c'est pas un partenariat. Non, c'est la marque qui m'a envoyé ça, donc je l'utilise et je dis ce que je veux. Voilà. Après, c'est celui-là, ce produit de la marque Zeldo. Je l'aime beaucoup. Le flacon est presque vide. Voilà. Après, je sais pas où est le dernier. Ici, il est celui-ci. Après, j'ai celui-ci, mais je l'aime pas trop. Voilà, je trouve qu'il irrite la peau, alors... Moi, je trouve qu'il assèche la peau. Ouais. Il assèche, il irrite. Bref, c'est caca, je rachète pas. Et après, j'ai ce gros tube. Pour faire la vidange. Attends. Tu feras la vidange après. Ça, ça dégage. Quoi? Bon, là, je fais la vidange, tu sais. Placez-vous sous le mobile balle. Je vais vous dire, je me suis fait arnaquer d'une boîte là. Hein. Non! Puisqu'il faut aimer au grand jour. Achou! Ananas, ça vient pas. Ça viendra encore moins. Tant pis. Mais ta mère. Ta mère. La cam. Calme-toi, la cam. La vidange est faite. Encore un peu. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Okay. Du coup, comme on a masqueur, on fait genre bouffe par... enfin, plusieurs bouffes en même temps. Je sais pas ce qui est mieux, franchement, mais... Ouais, enfin, fais comme tu le sens, faisant plein de trucs au pif, mais genre poisson avec poisson, viande avec viande, choum avec choum. J'espère que je suis pas trop envahissant. Ça va. Et brochette. Attends, du coup, ça donne quoi? 6 cœurs. Ok. Je me disais bien. Du coup, si ça donne 6 cœurs, je vais faire que 2 viandes par 2 viandes en fait. Parce que 6 c'est déjà pas mal. Oui. Merde, pardon. J'ai pas assez. 4. Là, ça en donne que 4. Mais ta mère? Waouh. Et si je fais ça, plus ça, plus ça. Oh, l'allergie, elle est toujours un peu là. Je crois que j'ai raté plein d'épisodes, moi. La dernière fois, tu avais même pas le pouvoir de réveiller. Ah oui, tu as raté des petites choses. Ah oui. Là, on va au château. Et le château, le château. Le château dans le ciel. Et si je rajoute un œuf? C'est la puta. La puta? La puta. Je fais des expériences au niveau bouffant. Utilise des cristaux de sel aussi. Mais pourquoi?
À part faire de la bouffe salée. L'expérience était pas terrible. Hein. À part faire de la bouffe salée, ça rajoute pas plus de cœur. Hein. Sienna, tu es pas trop triste de quitter Brioche et Grim demain ? En vrai, là, je fais la maline, mais demain, je vais bader. Bon débarras. Ok, je reviendrai Rentrez plus. Rentrez chez vous. Je reviendrai plus, hein ? Tu tourneras tout seul, hein ? Dimanche ? En fait, je serai seul. Je pourrais me trimballer à poil. Tu tourneras seul, et puis quand on te demandera quand est-ce que tu tournes avec Sienna et Kid ? Eh ben, je dirais quand la m'appelle sort, bordel de merde ! Non, parce qu'on avait dit qu'on tournait avec notre map. Bah ouais, mais c'est toi qui l'as dit, hein, c'est toi avec toi. Si on ne tourne pas, c'est de la faute de Brioche. Écoutez, bien sûr que si. Demandez à Kid le nombre de fois qu'on attend. Monsieur Brioche peut retourner. Quoi ? Ok. Pardon. T'as vraiment bouffé du poisson. Bah oui, mais c'est ce qui rapporte, hein. Puisqu'il faut rêver au grand jour. On n'aura pas une autre FAQ culinaire. Non. Mais j'ai pas de questions récentes. Parce que de toute façon, monsieur ne veut pas tourner. Sale. Sale quoi ? Il faut que tu continues. Sale quoi ? Sale troll, j'ai dit. Puisqu'il faut n'aimer au grand jour, puisque l'amour sans détour est impensable, est impossible, est impossible. Ouh. Le bruit de la cuisine me rappelle Tarzan. T'as des bruits bizarres, hein. Une brochette de mer. Si, c'est quand ils font le bazar, là. Avec Toc, qui fait... J'ai jamais aimé Tarzan, donc je l'ai vu une fois, et puis voilà. Je vais me faire détester. Non, mais c'est pas grave. Pourtant, c'est Phil Collins qui fait les chansons comme dans Frères des Ours. Ouais, mais... Et ça se trouve, voilà. Oh. J'ai fait une recette, ça m'a fait une récup en plus, totale plus dégueu. Une de chansons, là. Je veux savoir. Oui, non mais oui. Apprenez-moi. Non, montre-moi. Avec l'accent du pays. Mais David, avec cette tête de chien. Sale baigneoir, là. Hein? Sale baignoire. Sale baigneoir. Je fais des expériences. Je pense qu'on est pas mal niveau cuisine. Hey, hey. Y a pas un truc pour Regen, genre je fais le temple. Oui, tu peux. Je me suis envolé. Tu veux pas cacher la cam genre 30 secondes? Pourquoi? Parce que genre. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui. Bien. Toi, tu connais pas ce genre de problème. Ah, bon, tu sais. Mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai ce genre de problème. Mais c'est moins gênant. Mais ça se voit pas à la cam. Ça se voit pas à la cam. Tu vois pas trop. C'est sous le bureau, quoi. Ouais, voilà. Alors que moi, non. Donc bon, si on pouvait éviter, tu vois. Si c'est un sanctuaire où faut taper des mobs. Sienna va coller une paire favorite. La texture de ton jean me laisse perplexe. Ça te laisse pas en toi. Oh, c'est un sanctuaire basique, tu vas le défoncer. Non, je voulais ça. Puisqu'il faut s'aimer au grand jour. Je suis pas fan non plus de faire des ours. Pardon. C'est donc pour ça que tu n'as pas voulu voir tout à l'heure. Déjà, c'est ça l'utre qui a dit ça.
Mais je suis aussi. Non mais calme. De façon classico-classique, non emballé, plus que ça, par Koda. Noise. Willy Neneger. Noise. Je vais faire toutes mes épées dessus. Nope. Ah non putain, t'es en train de charger. Toi derrière la tour. Oui. Et... Fail. Sina, tu peux arrêter de chanter, merci. Non. Si tu n'es pas content, tu me mutes. Voilà. La bise. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On banne. Non, on banne pas, mais... On banne pas. Mais on fait ce qu'on veut. Je suis sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux si... Ouais. Voilà. Moi, c'est je suis sur ma chaise, alors je fais ce que je veux. C'est pas parce que Brie est là que c'est son live. C'est mon live. Je suis un peu envahissant, peut-être. Non. C'est juste que j'ai envie de chanter. Tu me connais, je chante tout le temps. Qu'est-ce que j'ai reçu? Une lance. Une lance dégueu, hein. Je veux pas dire, hein, mais elle est un peu dégueu, talent ce. Tu peux faire des linelles, il loot des armes cheatées. Ouais, mais non. Non. Diana, reste appuyé sur Y, c'est plus pratique. De quoi? Pourquoi Y? Oui, non, mais ok. Non, c'est mais... C'est toi, Diana. Bah ouais, il paraît. C'est une hallebarde. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Mais oui. Merde, du coup, j'ai oublié de passer. Oui. Tu regardes le Hobbit avec nous ou pas? Oui. Non. Oui, je t'ai... Oui, 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 oui. Tu n'as pas regardé le Hobbit avec nous? Oui. Mais qui c'est que je vais insulter quand les nains ils feront de la merde? Mais les nains ils sont très bien. Mais les nains c'est de la merde. Mais c'est trop bien les elfes. Nains. C'est de la merde les elfes. Voilà pourquoi j'aime bien regarder le Hobbit avec Brie. c'est par où le château? Mais oui. C'est par là. Oui. Je suis un elfe. Oh, je me tiens droit. En attendant, le plus badass, j'ai c'est Legolas. J'ai des cheveux blonds lisses comme ça. Et toute ma vie, en fond sonore, j'ai... T'arrives à imaginer des elfes dans une orgie de sexe? Non, tu peux pas. Tu peux pas. En même temps, quelle idée d'imaginer une orgie d'elfes. Oh, cacher ce pénis que je ne saurais voir. Mère! Couvrez-vous! Couvrez-vous! T'es parti? Quoi? Mais grosse pute! Ouais. Mais ta mère! C'est pas ouais. Alors, renvoyez la bouboule. Go! Le bouclier est cassé. J'arrive pas à le fixer. Je vais encore mourir! Il m'énerve. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrive pas! Elle n'y arrive pas! Ha! Je le fais parce qu'il n'y a pas la cam. Bon, je vous invite à vous diriger vers un endroit bien précis. Oui. D'accord. D'accord. Je t'ai déjà dit. Oui. Oui, 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 oui. Je croyais que tu le faisais avec ta bite. Ah, mais ta mère. Je vais par où? Putain. Là. C'est le gros pic là. Je veux juste
esquiver ce putain de bolo balls. Mais non, mais vous êtes pas à côté, vous pouvez pas comprendre pourquoi j'ai pensé à ça. C'est gênant en fait, parce que je sais que c'est entre tes jambes. Mais pour moi, c'est... Bah, c'est entre les genoux, quoi. Brain par le truc. Le mec s'en fout littéralement. Mais quoi? Mais le truc il pète un plomb hein. Non mais pourquoi t'as pas fait le bouclier, Link? Alors. C'était une épée à deux mains, je crois. Épée de merde, fait par des merdes pour des merdes. Alors là, c'est le moment où tu sais que je vais mourir. Je l'ai tenté. Tu veux pas m'emmener au château, s'il te plaît? Prends le oui. Oui. Cet homme a molesté un hand spinner. Oh là 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 là. C'est rien! Tout va bien, Link! Tout va bien! Ah, il saoule lui! Y'a plus de. Genre! Mais tu vois? Je l'ai fait en même temps là pour le coup. Attends, on va le défoncer sans le bouclier parce qu'il me saoule. On va se venger. Je t'ai déjà dit. Oui. Oui. On va le faire sans le bouclier des gourons là. La brioche appartient à Grimpé Diana, n'y touche pas. À Grim, n'y touche pas. Ah, je vais grimper. Mais c'est pas moi. J'ai touché. Elle a touché. J'ai pas touché. Oh. Il va pas nous retaper. Oui. On en défoncerait un autre pour se venger. Faudra faire. Si, on peut viser si les yeux, y'a pas de soucis. Si. Eh, hey, tu montes ou quoi? Semblant d'être heureux dans d'autres bras. Mais je sais comment on fait pour les taper. J'allais dire, j'ai touché ton genou du milieu, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il y a quelqu'un qui dit t'as touché quelle partie, Sienna? Et en fait, je voulais dire le milieu du genou, mais ça allait dire le genou du milieu. Sauf que le genou du milieu, ça peut être interprété bizarrement. Viens, on grimpe là-dessus. Bah, si tu veux, mais tu vas en chier, non? Mais non! Fais le pouvoir, non? Attends, on va faire un coup de pouvoir. T'as qu'un coup, hein? Ah! Ça marche pas d'aller tout en haut. Ouais. Mais... Une 200? Non? Première fois au château.
Je me demande bien où Zelda peut être. Je trouve que c'est pas assez flagrant, tu vois. On n'a plus de pouvoir. Non mais je pense que Bri veut aller en haut parce qu'il y a un moyen d'aller au château de manière plus safe en volant. Bah ouais, on va voler, c'est tout. Voilà. C'est juste pour s'éviter quelques gardiens. C'est tout. Puis c'est sympa la vue. Alors là... Tu peux utiliser ma prière à tout moment. T'es un peu lente, Mifa, par contre. Hein. Ça va, tu galères pas trop à monter. Non, ça va. Non ! Bouge pas ! Allez ! Link, pas le con. Ta-ta-na-na-na. Ok, Khan, Wei-chan, des bisous à toi. Qu'est-ce qu'elle a cette musique? Elle est badass. Non. Link, don't move. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Link, saute. Tu peux y arriver. Poté, oui. Quel empoté, ouais. Fin du game. Tout ça pour ça. Un ressort antique. Ah, une belle vue, là. Oui. Bah, tu vas pouvoir explorer le château. Tu veux pas sauvegarder un coup ici? Histoire qu'on s'évite l'épopée à nouveau. Très bien. Alors, on a un souvenir à trouver. Tu veux pas mettre... Un bouclier à trouver. C'est celui-là? Ouais. Et peut-être un bouquin avec des écrits de Zelda, pourquoi pas. Le reste, c'est de l'exploration pour trouver... Pour fouiller, quoi. Et bien sûr, trouver la salle du boss, mais c'est pas bien difficile de trouver où est la salle du boss, je dirais. J'imagine que c'est là où il y a Zelda. Voilà. Juste, peux-tu me dire si le souvenir est sur ma gauche ou sur ma droite? Bah alors là, à vrai dire, je me souviens pas trop. Ah! Donc, va falloir fouiller, mais c'est en extérieur. Je vais peut-être vraiment trop mal le souffle-souffle. Tu es à côté du gardien qui vole, on te dit. Je pense plus ou moins savoir où il est. Tu sens tellement badass avec la musique. Ouais, je pense que c'est ta mère. Vas-y, tire. Il est pas là. Je crois que c'est ça. Genre ici. Non. C'est pas là. Je pensais que c'était là. Trop triste. Ça se trouve c'est juste au-dessus et t'as tout le monde qui va me gueuler. Mais non, c'était au-dessus. C'est possible aussi. De toute façon, faut qu'on explore. D'accord, j'ai eu peur. Ils disent que c'était en haut, au-dessus de toi, en dessous de toi. Qui était passé en dessous? Mais t'es où? Pas là.
comme stress. Juste éviter de faire se faire exploser, hein. Je vais voir. Tout ça pour un coffre. Et tu paries combien que... C'est de la merde. Oh, c'est bien ça. Il y a pire comme merde, on va dire ça comme ça. Tu me vois plus du coup. Au-dessus, on dit. Ah, là où il y a le Guardians, quoi. Entre guillemets. Mais je l'évite. De quel côté il est ? Il y a un trou ? Il y a un. Je veux pas l'échelle, je veux sauter. Monique, il y a un trou. Est-ce que je peux lui défoncer la tronche ? Ah, mais une flèche plus tard. Il vaut mieux renvoyer son attaque. Mais je sais pas le faire, ça. Pourquoi? Je sais pas, là, bon. Ouais, non, ça, je sais pas le faire, tu vois. Ah! Ava! Je te protégerai. Donc, on me dit au-dessus? Ouais, de monter la tour. Le truc le plus radical, hein. Ah, je pense que c'était cette tour-là, en fait. Nous l'avons. Souvenir. Souvenir. En plein milieu de la bataille, là, t'as genre... Grave. Comme c'est grisant. Nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici ? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume.
Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Les souvenirs sont terminés. Vous avez trouvé chacun des 12 yeux représentés sur les photographies. Princesse de la Sérénité. Étude de Zelda. Est-ce que tu veux lire le bouquin ou pas? Ouais. Vas-y. Je sais pas si c'est long ou pas en fait. Je sais pas trop non plus. On va le faire. Mon entretien avec Impa, le chef du clan Sheikah, marque le véritable début de mon travail de recherche. Impa m'a présenté à Prua et à Faras, toutes deux Sheikah comme elle. Demain, nous nous rendrons ensemble sur le site de fouille pour y chercher le moyen d'activer la pierre guide. Nos fouilles ont été fructueuses, nous avons découvert une relique de pierre qui pourrait activer la pierre guide. Il s'agit d'une tablette rectangulaire de taille réduite, décidément, facilement manipulable et couverte d'inscriptions Sheikah. Le matériau qui la recouvre est inconnu mais très similaire à celui qu'on a pu observer sur les sanctuaires de la région. Impa m'a proposé de la conserver pour l'instant, j'espère que cette découverte nous permettra d'avancer. La tablette de pierre que nous avons sortie de terre a désormais un nom, la tablette Sheikah. Les documents dont nous disposions ne mentionnant aucun nom pour cet objet, Prua a suggéré que nous le baptisions. Sa proposition était certes recevable, mais peut-être un peu trop prosaïque pour une relique si mystérieuse. Nous sommes parvenus à restaurer une fonctionnalité de la tablette Sheikah. Il est désormais établi que le module nommé appareil photo permet de créer des images fidèles aux dieux mondes. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, l'image appelée photo apparaît d'elle-même sur la tablette. Mon admiration pour la technologie Sheikah grandit de jour en jour et nous en connaissons encore si peu. Nous pensons que la tablette Sheikah permet d'activer la pierre guide. Nous devons absolument progresser sur cette voie le plus vite possible. Les séances d'entraînement au pilotage des créatures divines sont un succès, les prodiges font de grands progrès. Mipha se révèle très capable au poste de commande, je dois avouer que j'en ai été surprise, mais c'est un souci en moi. Daruk a eu quelques difficultés au début, mais Urbosa et Revali semblent vraiment ne faire qu'un avec leurs créatures divines. Pour la première fois, j'aperçois une lueur d'espoir, peut-être avons-nous réellement une chance contre le fléau. Faras est parvenu à activer la plupart des gardiens mis au jour jusqu'ici. Mais d'après notre documentation, il en reste un grand nombre à découvrir et de différents types. Ceux qui seraient entreposés dans les 5 gigantesques monolithes qui seraient enterrés sous le château. Pourtant, nous avons beau creuser aussi profond que possible, nous n'en avons trouvé aucun. S'il existe, ils ne peuvent qu'être enfouis plus profondément encore. Peut-être ne se manifesteront-ils qu'au réveil de Ganon. Sur le nombre incalculable de vestiges que nous avons découverts en Hyrule, nous n'avons pu en visiter aucun. Selon mes recherches, ces sanctuaires sont conçus pour l'entraînement du héros qui doit repousser le fléau. Mais la question de l'accès à l'intérieur reste sans réponse. La tablette Sheikah serait-elle la clé?
C'est la théorie de Proua et je pense qu'elle a raison. Pourtant, mes essais dans ce sens se sont révélés infructueux. Mais nous n'avons pas le droit d'abandonner, il nous faut mettre toutes les chances de notre côté. J'ai discuté avec Proua du sanctuaire de la Renaissance que nous venons de mettre à jour. Comme nous le pensions, il s'agit d'un lieu de soins conçu pour la régénération corporelle. Il existe même une fonction permettant de plonger le patient dans un sommeil artificiel jusqu'à la guérison complète. Les blessures infligées par le fléau il y a 10 000 ans devaient être bien terrées pour qu'un tel système fût nécessaire. Je ne dormirai plus tranquille avant que le sanctuaire soit entièrement remis en fonction, nous devons être prêts. Et je prie pour que nous n'ayons jamais à en faire usage. Tu as fini. Ouais. Je te propose de visiter la pièce qui est au bout du pont, qui je crois est la chambre de Zelda, et après on devra du coup rendre la quête des photos. Ok. Il me semble que c'est la chambre de Zelda qui est en bas. Enfin, je sais pas si c'est en bas ici, au fond là. Bah, au fond, y'a rien. Donc, on va aller en bas. Appartement de Zelda. Salut toi. Tu as fondu comme neige. Y'a un arc au-dessus de la cheminée. Arc de garde royal. Il est pas mal. Oh oui. C'est le deuxième à coup de main. Il est gay.